La trêve, conclue fin février, est de plus en plus fragile en Syrie. À Rastan, dans la province de Homs, on peut voir sur ces images amateurs d'épaisses fumées s'élever dans le ciel. Ces frappes sont imputées à l'armée syrienne. À Alep, dans le nord du pays, les rebelles ont quant à eux lancé des roquettes sur des quartiers tenus par le régime, selon la télévision d'État, tandis que ce dimanche, 22 personnes ont péri dans des bombardements de toutes parts, dans cette ancienne capitale économique, aux mains aujourd'hui de l'armée, des rebelles, des djihadistes et des Kurdes. Les rebelles ont aussi amorcé une offensive dans le nord de la province de Latakié, dans un fief rebelle repris par le régime. Face à ces violences à travers le territoire syrien, le coordinateur de l'opposition, Riyad Hijab, a affirmé ce lundi qu'il était inacceptable de poursuivre les négociations alors que le régime de Bachar el-Assad continuait, je cite, « de bombarder et d'affamer les civils ». حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله